Salut tout le monde. Donc du coup, j'ai fini le défi commando. Et là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire dans les maps, enfin où il faut le faire pour que ce soit le plus simple possible et qu'on y arrive le plus rapidement possible. Donc ça, lui, il est beaucoup plus simple que le défi araignée, qui est quand même assez compliqué, hein, franchement, il faut vraiment de la chance. Or que celui-là, déjà un peu moins, bon, il faut essayer d'avoir de la chance, mais un peu moins, quoi. C'est un peu moins compliqué. Enfin, perso, pour moi, ça a été moins compliqué. Après, est-ce que j'ai eu plus de chance? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, je le trouve moins compliqué. Donc, du coup, on va voir ça tout de suite sur chaque map. Voir un peu où il faut aller, tout ça. Et puis, comme ça, vous y arriverez plus facilement. Voilà. Et à tout de suite. Et donc du coup alors par exemple vous pouvez attendre ici là, vous attendez quelqu'un qui arrive et là hop vous montez, bam, vous lui niquez la gueule quoi, c'est vous le défoncez tu vois. Voilà, alors sinon si vous voulez vous avez ici, bon pas trop conseillé de ce côté parce qu'il y a deux endroits à surveiller, mais de ce côté ça peut être pas mal. Comme ça hop vous défoncez la gueule du mec. Voilà donc je vous montre aussi d'autres endroits donc on se dit tout de suite. Bon si vous voulez vous pouvez faire aussi celui-là par exemple. Mais le problème c'est qu'il est un peu au milieu de nulle part, du coup je le conseille vraiment pas quoi, c'est vraiment nul, c'est tout pourri, mais bon. Je dis au cas où qu'il y en a, ils veulent essayer, hein, mais franchement ici c'est tout pourri. Alors ici on atteint ma zone préférée, donc c'est juste ici. Et là, donc ici vous avez quand même, vous avez pas non plus 10 000 sorties à surveiller. Et puis le gars arrive, hop, et vous le prenez par surprise, franchement ça peut être un bon endroit pour faire le défi. Hop, comme ça. Ça peut être pas mal, après vous avez ici, mais moi perso j'y suis jamais allé. Faut vraiment, enfin il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Donc c'est pas non plus super quoi. Après aussi vous avez juste là. J'ai fait aussi un peu celui-là. Comme ça vous le prenez par surprise, ça aussi c'est pas mal parce que généralement les gens ils pensent pas à venir par ici. Du coup ils vous prennent pas par derrière et hop vous pouvez les avoir comme ça ici par surprise aussi. Donc ça peut être pas mal. Ouais c'est parti, on va voir s'il y en a d'autres. Puis si on n'a pas d'autres, on va finir sur une autre map. Donc du coup pour les derniers endroits où vous pouvez faire ici, bon c'est pas non plus conseillé, parce que c'est vite fait, hein, c'est un peu à la vue de tout le monde, donc c'est un peu plus dur, mais vers les endroits comme ça vous pouvez hein, si vous voulez. Par exemple vous êtes ici, hop, et vous prenez quelqu'un, si vous attendez qu'il y ait quelqu'un, vous y allez et hop, vous le tuez, mais bon. Sinon voilà il y a des petits trucs là, enfin bon ces petits trucs à con c'est pas non plus super quoi, c'est un peu dur on va dire au milieu de tout le monde comme ça, il peut venir par derrière, par devant, c'est assez compliqué. Alors sinon vous avez ici aussi qui est pas mal caché parce que les gens vous voyez pas d'ici et puis vous pouvez les surprendre de là et hop comme ça vous pouvez essayer de les avoir. Bon il y a le mur qui gêne un peu malheureusement mais ça peut être pas mal quand même. Sinon voilà, bon, il y avait ici. C'est pas non plus super parce que bon, c'est limite en fait. Voilà, donc après, voilà, il n'y a plus vraiment grand-chose. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour la prochaine map. C'est parti. Ouais, donc, si vous voulez, sinon, vous pouvez faire ici aussi. Vous attendez qu'il y ait quelqu'un. Donc là ou là. Hop, vous y allez. Mais bon, c'est pas non plus conseillé. C'est pas super génial. Il y a mieux en tout cas. Et sinon, vous avez là aussi hein, à l'inverse. Hein. C'est pareil. Sinon, aussi un spot que j'ai pas utilisé moi, mais que ça peut être celui-là. Et c'est vrai qu'il peut être pas mal, effectivement. Faut juste être du bon côté au bon moment. Pareil celui-là aussi, hein, mais bon, ça fait un peu haut quand même. Sinon, j'ai dans le même genre, mais un peu plus loin. C'est ici. Là. Ici, franchement, hop là, vous attendez qu'il y ait quelqu'un. Puis ouais, ça peut bien passer ici. Franchement, là, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc ici, pareil. Hein. Enfin bon, il y a plein d'endroits. Pareil, si jamais, hop, vous venez ici, hop, vous grimpez là-dessus. Pareil là, voilà, enfin bon il y a plein d'endroits non plus, voilà, je vais pas non plus faire le fou, donc ici aussi, voilà, putain, il y a trop d'endroits, ça me saoule. Là aussi, bon là j'ai eu du mal, je suis souvent mort ici, mais bon. Bon vas-y. Heureusement que j'ai mis en recul. Bon ouais, c'est bon. Moi faut pas que je tire dans ces jeux. Voilà, donc il y a ici, puis après voilà, ici. Ah ça j'ai vite fait le tour. Hop, voilà. Après bon il y a plus grand chose d'autre, je vais voir s'il y a autre chose, mais. Ouais, normalement il n'y a plus grand chose, donc je vous dis à tout de suite. Ah, donc pour finir c'est pour finir les spots, eh ben vous avez celui-là aussi. Ouais, donc vous voyez quand vous êtes pas en hardcore, franchement il faut plus d'une balle, c'est assez chaud.
Ah, donc sinon, ouais, vous avez celui-là aussi. Puis après, voilà, il n'y en a plus vraiment. Donc après, vous pouvez faire avec tout et n'importe quoi. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire là, vous pouvez faire là. Ah bah non, là, ça fonctionne pas. Enfin bon, vous pouvez faire un peu n'importe où. Donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite. Ah mais non, c'était là. Eh, je me suis trompé. Non, en fait, c'est pas parti, c'était là, juste que j'étais allé trop bas. Ouais, donc si vous voulez un petit bug comme ça, voilà, on exclut. Un petit spot, je veux dire. Petit spot à la con, mais bon. Voilà, hein, si vous voulez, comme ça, sur Xbox 360, je tiens à préciser. Je pense pas que ça fonctionne sur les autres consoles. Voilà. Ouais, donc du coup, sur Combine, là, donc par exemple, hop, vous pouvez faire comme ça, comme ça. Enfin, bon, vous faites un peu comme... Ouais, bon, ça c'est pourri. Hein. Mais voilà, donc moi, le principal où j'allais, c'est vraiment celui-là. C'est là où j'ai fait la plupart des kills sur cette map. C'est vraiment un très bon spot. Comme ça, là, vous surprenez bien l'ennemi, tout ça. Après vous avez ici, mais bon le problème c'est que des fois vous faites bloquer là-dessous là. Du coup c'est chiant. Sinon bon voilà vous avez ça, pareil, enfin bon. Voilà. Sinon après vous avez celui-là, mais bon un peu compliqué parce qu'il est très haut. Comme ça. Vous pouvez surprendre l'ennemi aussi. Hop, et là vous le tuez. Donc ouais, c'est un peu chaud quand même. Bon après c'est généralement c'est quand t'as un ennemi. Oula vite vite. Hop tu montes et là, bam tu lui tires dessus. Est-ce que ça le fait dans ce recul? Ça pourrait être marrant. Voilà, donc on peut faire ça. Après, il y a celle-là aussi qui est pas mal. Comme ça, vous pouvez surprendre l'ennemi. Donc le mieux, c'est quand il y a du radar. Vous savez d'où ils viennent. Hop, vous pouvez facilement les tuer. Après, vous avez ici aussi, voilà. Hein. Puis pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Voilà, donc sinon, j'ai un autre spot, c'est celui-là. Peut servir aussi. Des fois. Bon, sinon celui-là, mais bon, c'est un peu au milieu de nulle part. Sinon bah vous avez celui-là aussi qui est un peu au milieu, mais bon si jamais il y a quelqu'un là vous dites ah bah tiens j'en profite et hop après pareil ici voilà vous pouvez facilement comme ça. Bon après c'est pas non plus extrêmement super, mais bon là, vous avez plein d'endroits comme ça, des petits endroits. Sinon bah aussi vous avez un bon endroit quand même, c'est ici là. Soit s'il y a quelqu'un là, hop vous prenez comme ça, soit bah ici vous attendez qu'il y ait quelqu'un et puis vous pouvez essayer de lui tirer dessus. Mais après vous avez plus vraiment d'endroits sur cette map, hein. C'est un peu tous les endroits. Bon après sinon il y a ici là. Et puis aussi le petit fameux endroit ici là. Hop, comme ça. Voilà. Oh putain, merde. Putain, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup en fait vous pouvez venir comme ça là. Et puis du coup vous irez ici là. Et ça a aussi un bon spot pour pouvoir niquer les gens. Voilà, donc vous pouvez réussir à le faire directement d'ici, mais c'est assez compliqué parce que ça glisse. Donc du coup. Pas de mal de venir ici quand même. Donc voilà, donc ça fait un bon spot si jamais vous voulez tuer des gens comme ça de là-haut, enfin bon de ici là. Ça il vous voit pas forcément, le mec qui vient là, tu vois, il va pas forcément vous voir. Alors que si vous êtes là, tu vois, il va vous voir direct, il va vous cramer, il fait hop là et t'es mort quoi. Alors que là-haut il va moins vous voir et donc du coup bah, ça peut être un bon spot quoi. Allez, tout de suite pour l'autre map. Ouais, donc si vous voulez dans cette map, vous pouvez aller ici là. Bon c'est pas non plus le meilleur endroit, mais bon c'est déjà bien. Sinon il y a aussi ici là pour surprendre votre ennemi, attention. Boum! Voilà quoi, vous le tuez assez facilement. Alors sinon, vers ici aussi là. Ah d'accord, le mec s'est tué quoi. Alors bon, c'est pas non plus super. Pareil, là vous pouvez faire un peu mieux. Bon, c'est des petits endroits quand même qui peuvent permettre des fois. Là aussi, si vous voulez surprendre l'ennemi. Putain, tu vas te mettre. Comme ça. Ok, bon, ici ça bug. Ah donc, petits endroits comme ça, bon, c'est pas les meilleurs. Ah donc hop, je vais vous montrer les autres tout de suite. Ouais, c'est parti. Est-ce que dans ta vie, t'as déjà vu de l'eau sous l'eau? Eh ben maintenant oui. Ah donc si vous voulez des fois surprendre l'ennemi ici, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup, hop, vous faites comme ça, puis vous lui tirez dessus. Sinon il y a ici qui est pas mal des fois, comme ça. Sinon ici aussi. Hop là. Bon c'est des petits endroits de merde ça, sinon après un peu plus sérieusement il peut y avoir celui-là par exemple. Mais bon ça c'est plus les tirs de loin, du coup c'est chiant. Sinon bah il y a celui-là qui est un peu plus au milieu de tout le monde, mais qui peut servir des fois. Après voilà celui-là, hein. Bon après sur cette map il n'y a pas vraiment de vrai spot où tu peux te dire tiens je vais me faire des bons trucs, tu vois, là il n'y a pas grand-chose quoi. Voilà, sinon en montant ici des fois. Mais bon sinon voilà, s'il n'y a pas des super spots, là si tu veux un peu camper des fois, hop là il y en a un qui vient là ou même là, hop là, enfin bon. C'est vrai que ce spot déjà il peut être déjà un peu mieux que les autres. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand-chose sur cette map. Donc du coup, je pense que je vais vous dire à tout de suite pour une nouvelle map.
Donc si vous voulez sur Exodus, vous pouvez tout simplement venir ici, attendre qu'il y ait des gens, et dès qu'il y en a un, bam, vous le surprenez et vous le tuez, vous le défoncez quoi. Comme ça au moins ça peut être pas mal. Alors, sinon vous attendez un peu derrière comme ça. Et dès qu'il y a quelqu'un ici, hop là, vous le défoncez. Voire sinon il y a plus sur le milieu là où il y a tout le monde qui vient. Ici ça peut être pas mal aussi, comme ça. Franchement ici ça passe bien. Ici comme ça, voilà, tout au milieu comme ça ici là. Hop là, vous voyez qu'il y a un ennemi, bam, vous le prenez comme ça. Quoi, ça peut bien passer. Ici pareil, hein, vraiment tout ce qui est au milieu là. Là pareil, vous attendez comme ça. Hop, là vous prenez le mec. Donc ouais, tous ces petits endroits au milieu comme ça passe bien. Qu'est-ce que tu fais à camper toi? Ok, d'accord. 3 balles dans la tête pour le tuer. Ouais, donc tout ce qui est ça. Hop. Là aussi, bon là c'est tout pourri, hein, mais. Sinon il y a celui-là, ouais, qui est pas mal comme ça. Voilà, comme ça moi je faisais. Merde. Ah. Voilà. Bon là j'attendais qu'il y ait quelqu'un. Hop, et puis je tire dessus. Hein. Bon, on pouvait faire comme ça, sinon pareil de l'autre côté, au fond là-bas. C'est pas le meilleur, mais bon, ça peut être pas mal. Ouais, sinon il y a ici, là. On pouvait faire ici. Sinon il y a là. Hop. Calme-toi. Ah, donc sinon il y a ici, là. Au milieu. Voilà, comme ça. Ouais, donc après, il y a plus vraiment grand-chose sur cette map. Hein. Putain, il y a ici. Tiens! J'adore faire ça. Voilà, donc je vous ai montré à peu près tout. Donc du coup, on passe directement à l'autre map. C'est parti. Donc si vous voulez, sur Fringe, il y a celle-là. Voilà, comme ça. Hop là. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça. Bon, c'est pas vraiment le meilleur endroit. Si jamais quelqu'un là, non, tu peux pas. Bon, ça c'est pas grave. Là, sinon, on pouvait attendre les gens ici. C'est pas les meilleurs endroits, mais ça peut aller. Donc sinon, on va directement aller là-bas. Donc, qui est le plus intéressant. Donc ici, par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un. Hop, vous venez, parce que souvent, il y a des gens comme ça qui restent ici. Donc, hop, vous pouvez faire ça. Alors sinon, bon, bah d'ici aussi, hein. Mais sinon, le mieux, moi, c'est ici, quand je suis là. Hop, j'attends que les gens y viennent. Bon, ce qui est chiant, c'est que vous restez 2 ans ici, et puis généralement, il y a un ou deux gars qui viennent de la partie. Puis après, voilà, quoi. C'est tout. Donc du coup, moi, ce que je fais, des fois, je viens ici. Voilà, et là, des fois, il y a des gens qui sont ici, ou qui sont vers là, ou qui passent par là, tout simplement. Et vous faites ça, et puis vous pouvez les tuer. Surtout en hardcore, il suffit d'une balle, et c'est bon. Donc, ouais, ça passe bien. Voilà, après, on sait jamais, des fois, duel, hop, vous venez ici, puis vous le tuez, le mec. Bon. Voilà, après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre sur cette map, hein. Sinon, après, c'est vrai que tous les trucs sont bons à prendre, mais bon, sinon, les meilleurs sont ceux que j'ai cités juste avant. Après, voilà, ces trucs-là, moi, je n'utilise pas, personnellement. C'est vrai que c'est là aussi, vous pouvez attendre ici, par exemple, qu'il y a des gens qui viennent, et puis vous faites ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà, donc après, il n'y a plus grand-chose. Donc du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine map. Voilà, donc sur Combine, par exemple, vous avez ici là. Ouais, si vous voulez, vous pouvez faire celui-là. Bon, c'est nul, hein, mais bon, vous pouvez toujours le faire. Hein. Ça va pas mal. Voilà, donc sinon vous avez des petits trucs de merde que ça vous attendez les gens ici là. Hop là, merde. Hop là, je t'ai niqué, tu vois. Bon, c'est pas génial, génial. Bon, on va pas trop s'attarder sur les autres parce qu'ils servent vraiment à rien, ils sont nuls. Ouais, donc il y a celui-là, voilà. Bon, il y en a de partout de toute façon. C'est pas ce qui manque, pas comme les murs par exemple, il y en a pas beaucoup généralement. Hop, donc vous voyez celui-là est tout pourri si vous voulez. Vous pouvez surprendre quelqu'un, mais sinon. Ah non, me tue pas toi. Putain, il m'a tué. Là, enfin bon, sinon il y a celui du milieu, hein, celui que j'utilise dans. Généralement, enfin celui que j'ai beaucoup utilisé. Je crois que j'ai utilisé que lui quoi. Donc c'est ceux du milieu, là, les deux endroits du milieu. Ici là. Et de l'autre côté. Franchement. C'est là où il y a tout le monde qui passe et ça ramasse des fois. Hein. Des fois, vous pouvez en tuer pas mal de personnes comme ça en une partie. Ils vont en tuer au moins 5 ou 6 des fois. Bon, après, il faut avoir de la chance hein, comme d'hab, mais bon, ouais, ça va plutôt bien. Donc, par exemple, ça pourrait être une map à conseiller. C'est là, franchement, ouais, bah après, ça dépend. S'ils viennent du bas, ça peut faire chier, mais moi, ils ont la plupart du temps, ils viennent du haut comme ça et donc du coup, ça va bien. Donc vraiment ça c'est une bonne map pour faire ce défi. Donc je vous la conseille. Ouais, donc du coup bah on va passer à l'autre map. Allez, c'est parti. Ouais, donc là on est sur
Unted. Et puis en gros, bah, vous pouvez prendre par exemple celui-là. Bon, il est pas génial, hein. Après vous pouvez prendre celui de là-haut là. Ouais, c'est pas non plus. Bon, c'est un peu le truc de base, c'est un peu nul quoi. La merde, voilà, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez prendre bah, celui-là, on sait jamais des fois pour surprendre des gens. Comme ça. Puis après, sinon, y en a un qui est vraiment au top du top. Alors, vous pouvez prendre les camions aussi, vous pouvez faire. Il y a un peu de partout quoi, mais sinon ouais, franchement je vais vous montrer celui qui est au top du top, donc vous pouvez prendre celui-là sinon. Hop là, ça peut être pas mal aussi. Vous attendez l'ennemi et puis là, hop, vous le prenez par surprise. Ouais, donc le mieux franchement c'est ici. C'est vraiment le petit coin bien bien tranquille. Généralement il n'y a pas beaucoup de monde qui vient par ici. Bon, vous pouvez regarder des fois. Si jamais il y a des gens, mais bon, généralement il y a personne. Et du coup là vous venez et hop, hop là vous le tuez. Ouais. Si le mec il vient, vous le tuez. Et puis ça peut être pas mal. Donc ouais, c'est vraiment l'endroit principal où vous pouvez faire ce défi dans Unted. Donc sinon après vous avez ça, hein, les petits trucs comme ça, mais c'est pas non plus super quoi. J'ai essayé des fois, après il y a jamais personne qui vient ici. C'est nul cet endroit quoi. Et donc bah du coup voilà, c'est vraiment le seul endroit principal où vous pouvez réussir le défi. C'est là-bas quoi, c'est même plutôt un endroit pas mal quand même, ça peut être pas mal, ça peut être conseillé de le faire là-bas parce que des fois il y a pas mal d'ennemis qui viennent. Du coup ça peut être pas mal. Ah d'accord, ok, normal. Ouais, donc du coup on se dit à tout de suite pour voir l'autre spot qui est juste là. Avant d'aller à l'autre map, on va faire ce spot là. À la limite si vraiment des fois comme ça peut le faire, s'il y en a un qui vient là, il vous voit pas vraiment. Et puis là vous sortez et puis vous le tuez quoi, vous le minez. Bon voilà, ça peut le faire, mais c'est pas génial. Ouais, tout de suite pour l'autre map, c'est parti. Alors imaginons que vous avez un radar. Alors comme ça vous avez un radar, on sait pas pourquoi, vous avez un radar. Et donc du coup vous voyez les gens où ils sont. Et donc du coup là vous voyez qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et ben du coup vous levez. Merde, oh putain, ouais, pas avec le jackpot, ça fait pas. Allez là, là vous vous levez et puis hop vous le tuez quoi. Bon assez compliqué à faire mais on sait jamais des fois. Peut servir. Ah, donc surtout ne pas croire que vous pouvez faire ici, hein, parce que la dernière fois, bah malheureusement j'avais fait une triplette, mais bah il est pas monté le mec quoi. Du coup j'avais le démon, hein, sinon ça aurait fait une triplette, vous imaginez? Putain, oh là là, j'aurais été content. Mais va te faire foutre! Qu'est-ce que je t'ai fait moi? Vas-y, viens, t'es où? Putain, c'est pas possible. Voilà, donc hop. Vous pouvez le faire ici, ça peut être pas mal. Des fois, il y en a qui campent ici, trucs comme ça. Oui, si. Voilà, pareil de l'autre côté, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ici, pareil, ça peut être pas mal. Des fois, voilà. Sinon, il y a un endroit qui est plutôt bien protégé. Généralement, les gens ne viennent pas. Voilà, vous pouvez être ici. Ouais, quoi que. Enfin, bon, après, vous vous mettez un peu derrière. Et dès qu'il y a quelqu'un, hop, bim, vous allez niquer direct, quoi. Ou alors, sinon, le mec qui passe par là. Hop, le mec, il est là. Bam, vous le niquez, quoi. Enfin, bon. Ça peut être un bon endroit aussi. Voilà, donc après tous les petits trucs comme ça, comme d'hab. Sinon, il y a aussi un autre endroit qui peut être pas mal des fois. C'est ici, là. Hop, comme ça. Bam. Ça peut être pas mal. Or, sinon, comme ça. Si jamais le mec il arrive de là, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, sinon, hein, bien entendu, vous pouvez faire ici, mais bon. C'est pas non plus le must du must. Et voilà, pareil, les petits trucs comme ça. Enfin bon, après, c'est un peu répétitif, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Toujours la même chose, hein. C'est un défi, hein. C'est pas, je sais pas quoi. Bah sinon il y a ici aussi, ça peut être pas mal. Comme ça, hop là. Oh, j'ai même pas touché une seule fois. Quoi. Voilà. Après, bon, pareil. Voilà, vous avez petite rambarde. Allez, j'en étais sûr. Voilà. Bon, après il y a plus grand chose. Voilà, ici, là, hop là, le mec avec du style tulnique. Et voilà. Donc bon, je dis à tout de suite pour voir l'autre map. Ouais, donc si vous voulez sur la map métro, bah, vous pouvez faire ici, normal. Ah, ici ce qu'on peut. Allez, bim, ici, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ici. Donc bah, ici c'est pas vraiment conseillé. Voilà, c'est tout pourri. Donc sinon après on va voir sur le sujet principal. Donc vous pouvez faire ici si ça vous éclate. Donc sinon voilà. Donc vraiment l'endroit principal ici c'est là. Vous attendez qu'il y ait des gens et puis après hop vous les minez. C'est vraiment l'endroit principal où vous pouvez faire des choses. Bon, après il y a toujours ici, mais bon ça a vu tout le monde. Du coup vous faites souvent tuer après. Donc ouais, le mieux c'est à cet endroit-là, comme ça, hein, comme ça, voilà.
Et sinon, bah voilà, vous pouvez prendre ici, mais bon, c'est pas non plus super cool. Voilà, donc après, il n'y a plus vraiment d'endroits qui sont bien. Alors, sinon, si vous voulez quelque chose de d'un peu plus derrière, d'un peu plus caché, vous pouvez prendre ici, mais bon, c'est les ennemis sont plutôt loin, quoi, généralement. Voilà, après, si vous voulez, sinon, vous pouvez prendre là-haut. Ah, donc, de côté, ça fonctionne. Putain, là. Voilà, je crois tout. Ah non, bah non, on peut pas prendre là. Non, je dis n'importe quoi. Non, sinon vous pouvez prendre de là, mais bon, c'est pas aussi bien que là-haut que je pensais. Dommage. Voilà, donc, bah, en fait, il y a pas grand-chose sur ce map. Donc, du coup, bah, moi, je vous dis à la prochaine map. À tout de suite. Voilà, donc, du coup, sur Redwood, vous pouvez faire la petite fenêtre ici. Ça peut être quelque chose de pas mal, hein, gars. Voilà, on est bien derrière comme ça. Des fois, il y a des gens qui viennent, ils vont pas se dire, oh tiens, il y a quelqu'un dans la maison. Hop, donc du coup, vous pouvez les prendre assez facilement. Généralement, les gens viennent pas par derrière. Ça peut le faire ici. Après, vous avez les murs là. Bon, attends, non, je crois qu'on peut pas les murs en fait. Si, ouais, c'est sûr, on peut. Ok, voilà. Donc sinon, bah, vous avez l'endroit mythique, hein, c'est sûr. Non, toi, tu vas calmer, okay, tu vas peut-être calmer. Ok. Ah, donc sinon, il y a celui-là. Hop là, comme ça. Celui-là, il peut être pas mal. Sinon, vous attendez qu'il y ait des gens. Et hop, vous faites ici comme ça. Ça, vraiment, c'est vraiment les meilleurs comme ça dans les escaliers. Voilà, donc celui-là, sinon, des fois, ça peut servir. Sinon, vous attendez qu'il y ait des gens. Vous êtes à la table. Comme ça. Hop. Bon, ça peut servir aussi. Voilà, les endroits aussi, comme ça aussi. Après, ça se répète, hein, forcément. Hein, c'est le même défi. Donc, forcément, ça se répète. Ça fait les mêmes choses. Voilà, donc pareil, hein. Bon là on peut pas parce que c'est dommage d'ailleurs, sinon ça aurait été pas mal. Ah, donc bon, éviter de faire dans vide, hein. Ce serait con. Mais ouais, pareil, hein, les trucs comme ça, ne pas hésiter. Putain, c'est quoi ces trucs? Enfin bon, donc du coup vous pouvez facilement faire le défi un peu de partout sur la map, mais voilà, les meilleurs endroits c'est là où je vous ai montré, hein, l'escalier, des trucs comme ça avec des fenêtres là. Voilà les fenêtres. Ça peut être pas mal. Voilà, donc bon bah c'est tout pour cette map. Du coup on va aller à la dernière map. Je sais plus à quelle c'est, je crois que c'est Stronghold dans la neige. Ah, donc on va faire la dernière map. Au moins on aura fini toutes les maps. Et puis bah c'est tout. Voilà. Ah, donc du coup on finit avec la dernière map qui est Stronghold. Donc du coup là, bah, si vous voulez casse-toi. Si vous voulez, vous pouvez faire le canapé comme ça. Bon, ça peut être pas mal. Des fois, vous cachez. Ah, coucou. Mais bon, sinon, vous pouvez faire l'escalier aussi en vert. Pour faire attention de pas le casser. Mais merde. Comme ça, hop. Tu quelqu'un. Ça peut être bien aussi. Voilà, par contre, faut faire gaffe. Pas le casser. Sinon, bah voilà, vous avez la table de billard. Bon, vous pouvez toujours camper ici, c'est vrai que la voiture est plutôt pas mal. Bon, là-dessus, sur la map, il n'y a pas grand-chose, je crois. Attends, je vais quand même vous montrer comme ici, là. Ah, donc sinon, il y a celui-là. Ça peut être pas mal. Hop là, bon, ça peut servir. Après, c'est vrai que c'est pas non plus l'une des meilleures maps, mais elle est quand même pas mal. Après, c'est vrai que c'est dur de dire quelle est la meilleure map, parce qu'après, ça dépend de la chance de chacun, et puis ça dépend aussi... sont un peu tous pareils en fait les spots, donc on peut pas vraiment dire quelle est la bonne map ou pas. On va dire toutes les maps sont bien, mais il y en a certaines dont les spots ne sont pas non plus super. Ah, donc bon, c'est pas non plus ouais, c'est en fait c'est un peu loin quoi en fait, on va dire c'est longue distance, du coup c'est ça qui est compliqué quand on peut même pas viser, on n'a pas le temps de viser ou alors très peu, vraiment on doit avoir moins d'une seconde pour arriver à viser. C'est très peu pour essayer de toucher la personne, donc la plupart du temps c'est on le touche sans viser comme ça. Bah ouais, c'est à peu près tous les spots qu'il y a. Vous pouvez toujours faire celui-là aussi, voilà. Après il y a un peu de partout, hein. Bon, putain, il est 4h. Il est 4h, il est 4h. Alors pour ceux qui jouent à Boom Beach, bon bah la vidéo sera sortie après les 5h, mais en attendant, moi je vais dans 1 heure, je vais
Je vais tester le nouveau truc sur Boone Beach là qui va arriver. Qui arrive normalement à 5h là tout à l'heure là, donc dans 1 heure. Un nouveau truc avec le docteur T là, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc du coup bah j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, j'espère que ça vous aura un peu aidé quand même. Hein, malgré que ça sert pas forcément extrêmement. Hein, je me demande qui c'est qui regarderait une vidéo comme ça, mais malgré tout, on sait jamais. Ça peut aider des fois. Ça peut donner des conseils, voilà. Donc ça peut vous orienter sur quoi faire. Donc du coup bah j'espère que ça vous aura bien aidé tout ça. Et puis bah j'ai pas vraiment grand chose à ajouter, voilà. Donc du coup je vais voir un peu quel défi il reste à faire, voir sur lesquels je peux vous aider. S'il n'y en a pas que je peux vous aider, bah je verrai ce que je fais après. Donc du coup ouais, bon allez. Moi je vous dis ciao et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Bim, multitâche mon gars, allez, plus de 18 les gars, on est chaud là. Ça fait le quatrième. Oh mais franchement. Franchement. Et vous. Vous avez vu comme il prend. Vous voyez bien que je suis mode.